Bonjour, bonsoir tout le monde. Septième épisode de mon let's play sur Golden Sun. Nous avions, dans l'épisode précédent, aidé Sophia à résoudre les énigmes du phare de Mercure. Malheureusement, nous n'avons pas pu empêcher le groupe que nous poursuivions à allumer le phare. Au sommet de ce phare, nous avons affronté Salamandar. Pour la première fois, nous avons fini par le vaincre. Donc malheureusement, voilà, le phare a été allumé. Donc nous avons failli à notre tâche, mais nous ne désespérons pas. Et Sophia décide de de rejoindre notre groupe pour nous aider à arrêter le groupe de Salamandar, Phénixia et Alex. Et donc, elle décide de partir avec nous, puisque de toute façon, maintenant que le phare est allumé, la fontaine du phare, qui fournit de l'eau miracle, qui soigne de toutes les maladies, permet aux habitants, voilà, de se soigner tout seuls. Ils n'ont plus besoin forcément de Sophia. Donc Sophia, c'est pour ça qu'elle est d'accord pour nous accompagner également. Yay et Joël. Et donc ça y est, nous avons le groupe au complet. Sophia rejoint le groupe. Et donc ça y est, nous avons fait ce qu'il fallait dans cette zone. Malheureusement, voilà, nous n'avons pas réussi à empêcher que le phare soit allumé. Mais nous avons récupéré de l'eau miracle. Et donc, si votre mémoire est bonne, l'eau miracle peut-être sauver Traite dans la forêt de Colima. Et ça, je me souviens qu'en fait, la première fois que j'ai fait le jeu, j'avais pas pensé, parce que c'est Trent, donc l'autre arbre. Qui nous donne l'indice si on utilise le sort télépathie sur lui, sauf que moi j'avais pas pensé du tout à utiliser le sort télépathie. Et surtout que l'eau miracle, en fait, moi je l'utilisais. Et c'est un pur hasard, donc je suis resté un petit moment bloqué dans cette zone-là. C'est par pur hasard, en fait, que j'ai essayé tout et n'importe quoi pour essayer, parce qu'à chaque fois que je parlais à Traite, il me proposait d'ouvrir mon inventaire. Et donc j'essaie tout et n'importe quoi, et au final, bah, ils m'ont proposé d'utiliser l'eau miracle, et je l'ai utilisé. C'est comme ça que j'ai trouvé. C'est en testant un peu tout, mais j'avais pas eu l'idée à ce moment-là de chercher, voilà, avec la télépathie, des indices.
Je pense que cet épisode sera un petit peu plus court que le précédent. En même temps, le précédent dans le phare de Mercure, ça marque un tournant dans l'histoire du jeu quand même. Donc pour la troisième fois, on va devoir refaire la forêt. Mais c'est pas grave, on aime ça. Là, il y a un souci. Les arbres, ils se sont déplacés tout seuls. La dernière fois qu'on était passé par là, ils étaient tous les trois les uns par-dessus les autres, et là, on sait pas comment, ils se sont déplacés. Allez, on y est presque. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas un petit raccourci une fois qu'on est. Mince. C'est la deuxième fois. On n'ait pas de raccourci directement pour rejoindre les arbres. On est obligé quand même de tout refaire. L'eau miracle, c'est cool leur traite. Je sens un immense pouvoir s'épanouir, moi. La vie est revenue.
Ta guérison a entraîné celle de notre forêt. Je m'excuse d'avoir inquiété, Trent. Et vous, les enfants, vous n'avez pas une faveur à me demander? Oui, Trent, tu dois rendre leur forme aux habitants de Colina. Oui, c'est vrai, je dois me dépêcher. Ah, évidemment, ça n'a plus du tout la même gueule. Ça devrait être bon, les habitants de Colima ne sont plus maudits. Trent n'a pas toujours eu ce terrible pouvoir. Cela a commencé avec ces gemmes étranges qui sont tombées du ciel. Gemmes du ciel? Vous pensez qu'il parle des pierres synergies? Vous pensez vraiment que ce sont les pierres synergies qui ont causé tous ces problèmes? J'étais en colère que des gens aient saccagé ma forêt. Ils ont même essayé de m'abattre. Puis ces joyaux sont tombés dans mes branches. Et soudain, ma rage m'a dominé. Le joyau m'a atteint alors que j'étais mélancolique. Nos actes ont révélé nos désirs les plus cachés. Ces gemmes ont changé ma colère en une force incontrôlable. Est-ce que des arbustes ont été transformés par ces pierres, Trent? Non, seuls les arbres adultes ont été affectés par les pierres synergies. Il y en a eu d'autres à qui c'est arrivé? Alors, cette situation peut se répéter n'importe où. Vous devez avoir combattu de nombreux monstres pour être arrivé jusqu'ici. Ces monstres peut-être qu'ils étaient des animaux normaux. Ils avaient le cœur pur. Ces gemmes ont engendré un terrible fléau pour le monde. Oh, Trent, tu as toi aussi gagné des pouvoirs? Ils sont différents des miens, mais ils ont la même origine. Trent, que fais-tu? Tu vas comprendre. Qu'as-tu vu, Trent? C'est vrai, même les animaux sont devenus des monstres. Et par-delà la rivière. La rivière qui borde notre forêt? Oui, une forêt au sud de notre rivière est devenue maléfique. Allez-vous traverser la rivière au sud? C'est notre prochaine destination. Cette zone va devenir de plus en plus dangereuse. Si vous devez y aller, il faut mieux vous dépêcher. Je vous dois beaucoup, vous avez sauvé Colima, la forêt et moi. Puissent vos racines être profondes et vos branches pousser vers le firmament. Plus jamais je ne laisserai une hache m'approcher, vous pouvez partir sans la moindre crainte. Et voilà, la malédiction est levée sur Colima. Bon, la blague, je pourrais aller voir le mec qui nous a refusé. Qui a refusé de nous ouvrir la barricade alors qu'on s'était proposé volontaire pour être. Les sauveurs de Colima, mais non, il nous a refusé. J'étais devenu un arbre pendant quelques temps, vous le croyez ça? Je sais maintenant ce que ça veut dire de prendre racine, mais je ne recommanderai ça à personne. Oh, c'est... Oh, messieurs. Je vous ai cherché partout. La malédiction de l'herbe sacrée, c'est vous qui l'avez dit. Vous êtes en état d'arrestation. Ouais, que vous avez refusé d'aider. Il retourne sa veste et pourtant vous avez rompu. Ouais. Je comptais que sur mon argent en oubliant les besoins de mes sujets. Ça m'a rappelé mes devoirs. En tant que seigneur de ces lieux, je
ferai de mon mieux pour contenter tout le monde. Là, je serais très honoré si tu acceptais ce modeste. Je pourrais te le donner, mais tu préférerais pas le choisir. Non. Moi, je ne suffis pas exprimer un regret pour avoir douté de vous. Choisissez un cadeau en gage de remerciement pour votre aide. Je vais montrer à Vlad et ses amis le chemin, monseigneur. Donc le garde va me mener à une salle du trésor, voilà, c'est ça. Donc on doit, il me semble, choisir entre un des quatre coffres. Je suis incapable de vous redonner ce qu'il y a dans les quatre. Vous pouvez choisir un objet parmi ces quatre coffres. Il me semble qu'il y a une autre jouvence. Attention, je vais pas recommencer, hein, je vais pas m'embêter. Il y a une fiole, une autre jouvence, un cristal psy. Une autre jouvence. Bon. Sois toujours la bienvenue dans le palais de Lloyd. De Coy, pardon. Malheureusement, voilà, on peut pas ouvrir les autres. Donc voilà, c'est une récompense en plus. Une autre jouvence, on va pas cracher dessus. Surtout à la limite qu'on peut revendre. Nous allons nous diriger gentiment vers Kolima. Puisque bah maintenant. A priori, la malédiction a été levée. On voit de toute façon les arbres, les personnes qui étaient transformées en arbres sont de nouveau humaines. Ça ne me dérange pas d'être un arbre. L'eau ne m'a jamais paru aussi bonne. Waouh, les arbres sont si fatigués. Ils ont pas... si. On va faire des achats pour les persos. Désolé pour ce petit moment pas très intéressant. C'est juste que voilà, je refais le stock de protection. Je pense que celui qui en avait le plus besoin, c'était quand même Ivan parce que il a. Ah mince, la boulette. Bon. Elle en avait déjà un. Hein. Je vais acheter une hache pour Garrett. Et on est parti. Et donc en fait, pourquoi on était obligé de lever la malédiction qu'il y avait actuellement sur Kolima? C'est tout simplement parce que ici, le pont-levis était relevé. Et la personne qui gérait le pont était transformée en arbre. Donc logiquement, on était obligé de lever la malédiction, ça faisait partie du scénario. Donc on arrive dans une nouvelle zone.
On va croiser pas mal de monde d'ailleurs. Là notamment on va arriver, il me semble, dans un petit village asiatique, dira-t-on, le temple de Fujin. Et donc pour ceux qui connaissent le jeu sur DS, bon, logiquement reconnaître la personne qui se trouve en face de moi. C'est la personne qu'on retrouve dans les ruines d'Arpa sur l'épisode DS. Il était déjà là. Il nous explique que la forêt, donc on nous avait prévenu, la forêt du fil est devenue maléfique, et il dit qu'aucun homme ordinaire ne peut passer de l'autre côté. Peut-être pourrais-je. Si vous réussissez les épreuves de la grotte sous les chutes d'eau, je vous dirai. Avez-vous passé le test? Oui. Ne vous inquiétez pas, on vous laissera entrer dans la caverne. Allez, Vlad. Souvenez-vous que vous n'êtes pas les seuls à pouvoir lire les esprits. Donc en fait, voilà, il nous propose de Maître Yun, ah c'est ça. Yun m'a parlé de vous, vous pouvez entrer. Donc il a une petite caverne qui se planque derrière la cascade. Donc je pense qu'on va la faire maintenant. Ça, je sais que c'est un mimi une mimique, pardon. Me semble également qu'on va pouvoir récupérer un nouveau djinn dans cette caverne. Ou alors, moins que je confonde avec une autre. Il me semble qu'il y a un petit djinn qui se dissimule quelque part. La lumière donne naissance aux ténèbres dévoilant le chemin. Donc on n'a rien à faire ici pour le moment. Et alors cette épreuve est optionnelle, hein. Vous pouvez quand même essayer de faire la forêt sans la récompense qui se trouve à la fin de cette caverne. Mais dans ce cas-là, ça va être du pif. Ça va être... bah voilà, vous devez comprendre comment fonctionne la forêt. C'est un peu un système de bois perdu dans Zelda par exemple. Donc ça peut... Voilà. Ça peut mettre un certain temps, alors que là, avec l'objet qu'on va récupérer, ce sera plus facile. Et nous récupérons la lame arctique, qui lance une capacité lame blizzard, c'est ça. Tant pis, je passe sur les pics, ça enlève très peu de vie, donc ça va, on s'en sort. Et c'était bien un djinn de Jupiter, j'avais raison. Alors celui-là, j'ai pas du tout envie qu'il s'échappe, donc on va tout lui balancer dans la gueule. Celui-là, alors je sais pas pourquoi, mais je reste bloqué sur le djinn éther. Je suis sûr que c'est un des premiers qu'on a. Donc j'avais dit que c'était le deuxième djinn, mais c'est possible que du coup ce soit le troisième. On va voir. En fait, c'est ça, c'est parce que dans celui-ci, il y en a déjà 7 de chaque. Et on verra que dans le prochain, enfin le deuxième opus
tu verras beaucoup plus. Après, tous les retenir. Normalement, c'est bon, il devrait être KO après ça. Voilà. On passe niveau 12, c'est bien ça. Zephyr. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait celui-là aussi. Donc celui-là qui booste l'agilité de tout le groupe. Donc je suis encore gouré. Décidément, les djinns de Jupiter, j'ai du mal à les retenir. Non, pour l'instant, ça sert à rien d'aller là. Voilà. Œil du dragon. Qu'on va aller mettre dans la statue dragon qu'on a vu tout à l'heure. Et qui va nous permettre de révéler le chemin pour accéder à la suite. C'est la statue d'un dragon sans yeux. Qu'y avait-il dans les cavités? Donc il nous révèle le chemin. Un chemin qui va nous permettre d'accéder à un endroit précis. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le chemin, alors qu'il apparaît au sol, bah au final, c'est pas sur le sol qu'il faut prendre le chemin, mais bien via les airs. Donc par ici, hop. Donc nous arrivons au bout. Et donc on va trouver le secret du qui sera révélé aux disciples de la vérité. Et donc à l'instar de la perle Larsing, donc qui nous permettait d'avoir la synergie attrapée, on découvre un objet qui est l'orbe de force et qui donne la synergie force à celui qui en est équipé. Donc il nous sera utile pour traverser la forêt. Mais avez-vous réussi le test? Oui. Quoi? Vous avez maîtrisé les secrets du temple de Fujin. Maître Yun vous attend. Allez au temple. C'était un petit temple optionnel, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Bon, malheureusement, si vous le faites pas, vous passez à côté d'un djinn. Et ça rend la chose un peu plus galère. Pour la forêt. Je suis content de voir que vous avez maîtrisé les secrets du temple de Fujin. Nous appelons qui le pouvoir que vous avez obtenu? Tu sembles dérouté, Vlad. On appelle force en Occident, mais c'est plus un pouvoir spirituel. Je vous apprendrai, comme promis, à utiliser ce pouvoir pour traverser la forêt. Qu'arriverait-il si vous libériez cette énergie dans la forêt? Ah, vous êtes curieux.
Les monstres qui attendent tapis dans l'ombre se montreront. Vous essaierez alors de les vaincre, n'est-ce pas? Oui. De temps en temps, tu devrais mettre de côté ton idée que combattre résout tous les problèmes. Les monstres sont lâches, ils fuiront quand ils sauront que tu les as vus. Ce sont des créatures des bois, elles ne se perdent jamais ici. Voilà, donc le combat sera pas forcément la solution. Mais c'est là que j'ai envie de vous dire, bah on verra ça au prochain épisode. Allez, salut!